Chers amis, Shabbat Shalom, Mevorach, nous arrivons à la parashat Shoftim. Dans cette parasha, il est écrit, Chav Gimel, Ve'amar aleem, Shema Yisrael, atem krovim ayom le milchama, al oyvechem, al yirer levavechem, ve'al tirahu, ve'al tarpezu, ve'al taaretzu, mi penechem. Et donc l'introduction, c'est bien sûr « Or quand vous serez sur le point de combattre le pontife, s'avancera devant, s'avancera et parlera au peuple. » Ça, c'est ce qui est écrit un petit peu avant. « Ve'aya be'karvechem el amilchama, ve'nigash ha'kohen, ve'diber el ha'am. » Et donc le Kohen Gadol vient parler au peuple et il lui dit « Écoute Israël, vous vous apprêtez aujourd'hui à combattre vos ennemis, que votre cœur ne fléchisse point, soyez sans crainte. Ne vous laissez pas déconcerter ni terrifier par eux. » Par donc les ennemis, la question est de savoir pourquoi est-ce que c'est le pontife qui vient haranguer le peuple. Et pourquoi est-il écrit Schéma Israël, écoute Israël, puisque on sait ce que c'est que le schéma Israël. Écoute Israël, schéma Israël. Rabbeinu nous enseigne ici, Vedarcho Rabotinu Zal, Afilu en bachem zechut, et là, ma sheatem omrim, bechol yom schéma Israël. C'est pour ça qu'il est écrit schéma Israël, écoute Israël. C'est bien sûr en relation, en référence au schéma Israël que nous disons tous les jours. Et donc, bien sûr, à Philo N, si on n'a même pas de mérite, mais seulement un seul mérite, Mashatem Omrim, une seule chose que nous disons chaque jour, c'est le Shema Israël, Atem Reuim, et Natser et Oivechem. Grâce à cela, vous pourrez vaincre vos ennemis. Kikol amilchamot shebaolam, parce qu'en fait toutes les guerres de ce monde, bien sûr ça fait aussi référence à toutes ces guerres-là, meramzim ikar al milchamat hayetzara, bien sûr que c'est en priorité, en grande priorité, la guerre que chacun doit mener contre son mauvais penchant, puisque un homme, bien sûr, qui tombe dans le mauvais penchant ne peut pas être, bien sûr, un bon soldat, comme on le sait. On le sait que David Améler n'envoyait que des tzadikim à la guerre. Qui a filou à milchamot, sheyesh la dame, begashmiut, im, sonim, parce que même les guerres que l'homme entreprend contre ceux qui le haïssent, be oivim, et tous ces ennemis-là, akolou bechinat, tout ça, c'est de l'ordre de Milchamot Hayetzara. C'est bien sûr la guerre du mauvais penchant. Et Moshe Amro Rabbeinu Zal, comme les sages ont enseigné dans le Sanhedrin, même Dalet, que Sheyesh la dame Tsarir le Mata, car Yesh lo Tsarim le Mata, Tsarim le Mala. De la même manière qu'il existe donc des ennemis en bas avec qui on doit guerroyer, bien sûr, de manière physique. De la même manière, il existe en haut aussi des ennemis spirituels, représentés par le mauvais penchant, contre lequel l'homme doit guerroyer aussi. C'est une véritable guerre. Ve'alken ikar ha'milchama ou milchemet ha'yetzerara. Et donc, cette guerre essentielle est de combattre contre le mauvais penchant, puisqu'on le sait, le mauvais penchant est collé à l'homme dans son esprit et essaye sans arrêt de le faire dévier du droit chemin. Et l'homme doit savoir ça, doit savoir que sans arrêt, il doit essayer de prendre, de demander, de crier vers HaKadosh Baruch Hu, de le libérer du mauvais penchant pour qu'il emprunte la bonne voie. S'il ne fait pas, il boit des doutes, il ne vient pas parler, demander, quémander à HaKadosh Baruch Hu de le libérer, alors il sera extrêmement perturbé et ne saura jamais si la décision qu'il a prise sera une bonne décision.
puisque, bien sûr, le mauvais penchant va s'y mêler. Vezé Sheizir HaKohen Kodem Shenichnasu le Milchamat Hashem. Et justement, c'est le travail du Kohen, on le voit, le Kohen Gadol, qui vient avant, nous avertit avant d'entreprendre la guerre de Dieu, les Natsear et Tauvim, donc de vaincre les ennemis, vers Sitra Hara, et de vaincre le mal, chez Sivev Akedusha, qui est toujours entoure la sainteté. Tant que l'homme ne rentre pas dans la sainteté, bien sûr, il ne se comporte pas selon les règles de la Torah. À ce moment-là, le mauvais penchant ne s'intéresse même pas à lui, puisqu'il dit en quelque sorte que cet homme-là fait le travail du mauvais penchant. Mais dès qu'un homme veut se rapprocher de la sainteté, alors le mauvais penchant vient se renforcer pour bien sûr essayer de le décourager avec tous les moyens qu'il peut, tous les moyens dont il peut se servir. Et pour revenir à ce qu'on a dit, c'est bien sûr la Hidbo des doutes, le dialogue avec Hachem, où on demande de nous rapprocher de la vérité et d'annuler le mauvais penchant, qui bien sûr, la prière est la chose la plus forte pour constamment être dans la voie de la vérité et s'éloigner du mauvais penchant. Bien sûr, l'étude peut aider. Il y a même Rabbeinu dans le Likout et Mora nous explique beaucoup de choses sur le mauvais penchant. Il y a aussi d'autres livres très intéressants, comme Les Devoirs du cœur, par exemple de Baye Impakuda. Chez là-bas, il a tout un chapitre sur le mauvais penchant. Et c'est quelque chose qui peut renforcer extrêmement l'homme de lire et de continuer à étudier ce sujet. Malgré tout, l'étude a une influence, mais qui est provisoire. Dès qu'on arrête d'étudier, à ce moment-là, tout de suite, le mauvais penchant revient. Donc c'est pour ça que la prière et le beau des doutes, qui est une chose permanente, est donc certainement la chose la plus forte qui peut nous aider à nous écarter du mauvais penchant. Et ce mauvais penchant nous dit, Rabbeinu, oivim vesitra chara, chez Saviv Akedusha, donc qui entoure, bien sûr, la sainteté. Saviv Eret Israël, qui est représentée par la terre d'Israël. Puisqu'on le sait, la terre d'Israël est une terre de sainteté, comme c'est écrit dans le Zohar. Et donc, juste autour de la terre d'Israël, le mauvais penchant est présent. Chez M. Klal Kol Asonime, qui est représenté par tous les ennemis, qui se trouve justement en bordure et qui entoure la terre d'Israël. Par exemple, la terre d'Israël, ça aurait pu très bien être en Australie. La terre d'Israël, ça aurait été l'Australie. À ce moment-là, il n'y aurait pas eu de mauvais penchant qui entoure l'Australie, puisqu'il n'y a que la mer qui entoure l'Australie. Et justement, la terre d'Israël n'est pas l'Australie, parce qu'elle est justement dans un endroit extrêmement précis, parce que la sainteté doit toujours être entourée, en quelque sorte, par le mal, parce que ce mal se nourrit, sa nourriture, sa vie, il prend sa vie de la Kedusha. Donc chaque fois que un homme chute ou fait une avéra, à ce moment-là, c'est de là que le mauvais penchant vient se nourrir. Et tous ses ennemis, kol asonim amonim ou me'agvim mi Devarim, chez Bekidusha, il nous empêche bien sûr de nous empêcher, puisque chaque fois qu'on arrive à un endroit où on doit monter de niveau, au niveau de la Kedusha, justement là, le mauvais penchant se renforce. Justement là, il se renforce et essaye de faire chuter le mal, l'homme, juste au moment où il allait monter de niveau. Okshe Adam Nechnas Leilachem Imaem, et quand l'homme, bien sûr, vient lutter contre les ennemis, Az ou Sakana Gdola Raze Shalom, il est en danger, bien sûr, parce que le mauvais penchant, il n'a qu'un seul but, c'est de tuer l'homme. Comme on l'a vu, c'est aussi écrit dans le Sefer HaTanya que quand un roi vient assiéger une ville, c'est pas qu'il vient assiéger la ville et il assiège la moitié de la ville.
Son but, c'est d'assiéger totalement la ville et d'extraire le roi de cette ville et de prendre sa place. Il veut totalement régner sur la ville. Le mauvais sens, c'est pareil sur l'homme. Il ne vient pas juste pour nous faire une faute. Il vient pour assiéger totalement l'homme jusqu'à ce qu'il ait tout perdu. Jusqu'à ce qu'il soit lui-même le propriétaire de cet homme-là. Qui, mitorer alav, kama kitrugim, razé shalom, parce que juste au moment où l'homme s'apprête à rentrer dans la sainteté, bien sûr, il est en grand danger. Et il y a beaucoup d'accusations qui vont peser sur lui. Verotzim le apil oto, me avodato le gamre. Et toutes ces accusations ont pour but de faire tomber l'homme totalement, razé shalom. Et c'est ça la guerre véritable de l'homme dans ce monde, c'est de se renforcer et de tenir bon, al raglav, sur ses pieds, les bas, les épaules, mais avodato et barar, de ne pas baisser dans son service divin. Parce que bien sûr, le mauvais penchant veut toujours faire baisser l'homme dans le service divin. Il faut toujours prier, prier sans arrêt pour se séparer de lui. Chas v'shalom. Ve'az mevadai iske le natsar ou le shavram. Et cet homme-là, s'il continue son travail et il ne regarde pas ce qui se passe, il n'est pas trop influencé par sa vie, en quelque sorte, et continue sans se poser de questions son avodat Hashem, à ce moment-là, il pourra finalement le vaincre ou les vatlam et l'éliminer. Aval bame iye bitrono chazak shelo ipol v'avodato idbarar zvei shalom. Ça veut dire, et alors, quelle est la chose qui va vraiment nous aider, la chose la plus importante qui va nous aider à vaincre ce mauvais penchant? Comment peut-on arriver à vaincre ce mauvais penchant? Aïkar urak aemuna. Rabbeinu nous enseigne que l'essentiel, c'est uniquement la foi. Il faut toujours garder la foi en Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la foi? La foi, c'est de savoir que nous savons, nous ne comprenons rien. Nous ne savons rien de ce qui se passe dans notre vie, même dans notre vie personnelle. On n'a rien compris. Mais on sait que tout est pour le bien malgré toutes les épreuves, les difficultés et les souffrances. On sait que tout est pour le bien. Et c'est ça la foi véritable. De toujours dire, Gamzul et Tova, même ça, même cette chose mauvaise, c'est pour le bien. Gamzul et Tova. Sheikarura Kaemuna. C'est ça la foi. Akedusha. Shekshehu Chazak Bemeuna. Emuna. Akedusha. Bevadai en lo. Quand l'homme est vraiment accroché à sa foi, à savoir bien sûr, il n'a plus aucune raison de craindre aucune guerre ou aucune épreuve dans ce monde. C'est pour ça qu'il est écrit Shema Israël, Atem, Krovim Ayom le Milchama, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Ou Bezrout Shema Israël, c'est grâce au Shema, c'est simplement par le mérite de Shema Israël, l'Evad, seulement ça. Ayeno Zechout Vekoar Emuna, c'est ça la foi qui doit être ancrée en nous, à Kedusha cette foi sainte, basé l'Evad Atem Yecholim, l'Etkarev, le Milchama, Begashmiyut, ou Beruchen Yud. Rien qu'avec cette foi, vous pouvez atteindre, vous pouvez vous battre, partir en guerre. En guerre physique, bien sûr, ou bien en guerre au niveau spirituel, pour ne pas tomber dans notre service divin, qui met à char chez Atem, Chazakim be'emunato itbara, puisque vous avez vraiment, vous êtes très fort dans votre foi, vous êtes renforcé énormément dans votre foi en Kadosh Baruch Hu, Shum, Shuv, En Lachem, Litiarev, Kulal, Mishum, Milchama, à ce moment-là, bien sûr, vous n'avez aucune crainte à avoir d'aucune guerre dans ce monde. Et bien sûr, on approche là de Rosh Hashanah. Et bien sûr que cette chose qui se passe en Ukraine, cette guerre en Ukraine, c'est pour écarter
C'est le Yetzer Hara qui se sert naturellement. Il se sert de ça pour essayer d'écarter, d'empêcher le kibbutz. Alors que j'ai entendu, beaucoup de gens sont allés cette année en Ukraine sans voir un seul soldat, puisque tous les bus et toutes les assaot passent par des endroits, par ce qu'on appelle des rarassadés, à travers les champs, et contournent totalement la milchama. Donc il n'y a pas du tout de milchama là-bas, c'est juste la milchama de nous avec nous-mêmes, de nous avec nos mauvais penchants, pour nous empêcher d'aller au grand kibbutz de Rosh Hashanah, comme a dit Rabbeinu, Rosh Hashanah Sheli, Olé à la colle, mon Rosh Hashanah, que j'ai reçu en cadeau de Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout. Il faut bien sûr, pour y arriver, il faut complètement s'annuler, annuler sa réflexion, il n'y a rien à réfléchir, il y a juste à se transporter à Ouman, à Rosh Hashanah, chez le grand tzaddik Ador. Mais Zéou, et c'est ça la milchama. C'est ça que l'homme, la milchama, la guerre que l'homme doit faire avec son mauvais penchant. C'est uniquement avec la émouna, la foi en Kadosh Baruch Hu et dans le tzaddik, que l'homme peut y arriver. S'il n'a pas suffisamment de foi dans le tzaddik, alors bien sûr il va se trouver des millions d'excuses pour ne pas aller à Ouman à Rosh Hashanah. Des millions d'excuses, c'est très facile. Comme ça a été pendant le corona, maintenant c'est la guerre, etc., etc. Alors que c'est si simple d'y aller, puisqu'on le sait depuis que le rideau de fer est tombé, c'est un cadeau du ciel qu'on nous a fait pour nous ouvrir le chemin vers Ouman. Et bien sûr, il ne faut pas avoir peur. Celui qui a peur, il ne peut pas bouger de sa maison. Et votre courage ne doit pas flancher, bien sûr. Soyez sans crainte, ne vous laissez ni déconcerter, ni terrifier par eux, pour les ennemis, on l'a dit, physiques ou spirituels. Altiraou, n'ayez pas peur. Mi sha'atet susim ve shifa'at a kalgasim ve kol a kranot. De quoi ne vous réveillez pas du tumulte, du bruit des chevaux, du vacarme des troupes et du bruit des chars. Et là, je peux dire, on peut faire une relation directement avec la radio. Celui qui écoute trop la radio, c'est bien sûr, c'est ça. Ça va le décourager instantanément. Donc, ne vous effrayez pas, n'écoutez pas toutes ces choses-là. Et simplement la foi dans le tzaddik. Et rendez-vous au grand rendez-vous annuel, au grand kibbutz mondial de Rosh Hashanah, une chose incroyable qui n'a jamais existé depuis la création du monde, que des gens viennent se rendre à Rosh Hashanah chez le tzaddik de la génération, puisqu'en général, on se rend chez le tzaddik le jour de sa Hiloula. C'est pour ça que ce Rosh Hashanah a une telle importance pour Rabbeinu. Ayeno inyane tarsise milchama sheosim asonim להפריד ולאיים על שכנדם וכל המכינות הללו יש מלחמה את היצר הרע. Et donc tout ça, c'est les ruses de les guerres utilisées par les ennemis pour terroriser et menacer ceux qui combattent, ceux qui veulent se rendre là-bas, bien sûr, ceux qui combattent avec le Yetzer Hara. Ve'u yadua lemi sheitri lekanek ksad be'avodat Hashem. Et ça, tous ces stratagèmes se retrouvent dans la guerre contre le mal, et bien sûr, c'est une situation que tout le monde connaît, que chacun d'entre nous qui veut rentrer dans le service divin doit combattre. Il doit combattre, il a plusieurs combats à mener, pas un seul. Il doit combattre son Yetzer Hara à l'intérieur de lui, il doit combattre tous ceux qui viennent. Essaye de le décourager, sans arrêt de le décourager, de lui faire peur et encore de le décourager. Il ne doit écouter personne, il doit simplement écouter les paroles du tzaddik
et faire ce que le tzaddik demande. Et bien sûr, ce que Hachem nous demande sans arrêt, vers Philo Adam, Pachout le Gamré, même un homme très simple, qui, derer Abba'al Davar, ve Asitra Achara, le Ayen ou le Afrid Al-Adam. Parce que justement, même lorsqu'il est simple et sans calcul, un homme Pachout le Tmimout, comme on l'a dit plusieurs fois, car c'est la manière du mal et du mauvais penchant. C'est quoi? De menacer, de terrifier. Il veut terrifier sans arrêt l'homme. Le terrifier avec toutes les épreuves qu'il a. En lui faisant croire qu'il est dans le désespoir total, que tout est perdu et qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Asitrara la ayem ou la frid à la adam. Mehod, mehod. C'est sa technique. Ou la rvid à l'av, avodato et bara. Mehod, mehod. Et de menacer et terrifier l'homme, donc, et de rendre le service divin très lourd pour très difficile. D'un coup, l'homme n'arrive plus à se lever le matin, il n'arrive plus à faire les tefillotes, il n'arrive plus à ouvrir un livre, à étudier la Torah. Il est complètement, on peut dire, sclérosé, il est bloqué. O mechamadze, nimnu rabim, meleatrim, melechnos, levodat barar, Hashem. Et bien sûr, à cause de cela, il y a beaucoup de gens qui sont, soit qui se sont découragés a fortiori, immédiatement découragés, ou d'autres qui sont rentrés dans la voie d'Hachem et ont fait machine arrière tout de suite. Tout ça, c'est à cause uniquement du mauvais penchant. Ou Mechamat a Iyomim, et voilà, à cause de toutes ces choses mauvaises, Ve Agvedut Alelu ou Kayotse Baem. Vezé Bekinat chez Hatat Soussim, et comme on l'a dit, c'est ça le tumulte des chevaux, Ve Shifaat à Kalgasim, et aussi le vacarme des troupes, Ve Kol à Khanot, et donc le bruit des chars, tout ça, ça fait référence à quoi? Aval à Ikar, Ve Avodat Hashem, chez Lo Yefachet Adam Klan. Tout cela, c'est pour effrayer l'homme. Le but du mauvais penchant dans toutes les situations, c'est d'effrayer l'homme, la peur, la peur. C'est donc de faire peur à l'homme et de lui faire croire, le croire que la chose est impossible. Toujours, l'homme est dans la peur et la frayeur. Ok, moi, je katav Rabbeinu, et c'est pour ça que Rabbeinu nous a enseigné chez Baolam Azé, à Adam, Tsarir, La vod al gesher tsameod, que dans ce monde, l'homme doit passer sur un pont très étroit. C'est quoi le pont très étroit? C'est qu'il ne peut pas ni aller à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Il doit passer sur un pont étroit. Et ce pont étroit, c'est justement ce pont-là qui doit le pousser à comprendre que c'est une véritable guerre. Et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Chacun d'entre nous devons passer dans ce pont-là, sur ce pont-là, qui représente en fait la vie de l'homme. Et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. L'olefachad Adam Klal. Pas du tout. Vaikar, vaitraskut, la avor, al a gesher tsar. Et justement, comment arrive-t-on à se renforcer pour passer sur ce pont étroit? Beshalom, bli pachad, ou comment on fait pour traverser un pont en pleine nuit au-dessus du précipice alors que dehors il y a une bourrasque, une tempête, et nous on est accroché sur un pont de corde, qui se balance à droite et à gauche et qui fait croire à l'homme que tout est perdu, qu'il n'a plus qu'à lâcher prise, il n'a aucun espoir de s'en sortir, nous dit Rabbeinu. Pour ne pas avoir peur, la seule chose qu'il faut avoir, ou à l'émouna, c'est la foi. La foi, comme on l'a dit, que tout est pour le bien. Même si tout paraît pour le mal, il faut savoir que tout est pour le bien. Emouna, Akedusha, la foi sainte. Bechinat Shema Israël, c'est pour ça qu'il écrit Shema Israël, c'est vraiment la foi. Atem Krovim Ayom, le Milchama, vous vous approchez aujourd'hui de la guerre. Beshrut Shema Israël, grâce à ce Shema Israël, à cette foi, Ayeno Emouna, c'est la foi. Veshuv, al yera levavechem, ve al tiraou, ve al taharitsu,
comme le dit le Kohen Gadol, que votre cœur ne fléchisse point, soyez sans crainte, ne vous laissez ni déconcerter, ni terrifier par eux, par les ennemis. Ve'ad yirao ve'ad tarpezo bipenehem, ki Hashem elokechem aoler imachem, le Hoshia etrem, parce que bien sûr, celui qui a la foi, il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas le laisser. Il ne va jamais abandonner l'homme. L'homme qui cherche la vérité, il ne l'abandonne jamais. Donc, Akadosh Baruch Hu, même si l'homme a l'impression que il y a Esther Panim, qui a un effacement total de la divinité de Akadosh Baruch Hu, qui s'est complètement, on n'arrive plus à ressentir qu'il est près de nous. Justement, Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'il nous aide le plus. Hashem Elokechem, Oler Imachem, il va toujours avec nous, les Oshia Etrem, pour nous délivrer. Finalement, il nous délivrera Etrem. Vezou Hashem, li, lo ira. Et comme il est écrit, bien sûr, dans les Teilim, l'Éternel est avec moi, je ne crains rien. C'est ça, véritablement. L'Éternel est avec nous, quand on est dans le bon droit, dans notre bon droit. Alors il vient nous aider, Vezeu Hashem li lohira. Et Moshe Katoub, Hashem li, comme il décrit, Dieu est avec moi. Dayenu, Sheani, Ma'amin, Be Hashem Itbara, Be Emuna Shlema, c'est-à-dire que je crois d'une foi parfaite et entière que Kadosh Baruch Hu, Ve Hashem, il m'a dit, Tamid, que Kadosh Baruch Hu, il ne m'a jamais lâché, il est toujours avec nous. Il ne nous lâche jamais, même si on a l'impression que on n'est plus avec lui, pas du tout, il est toujours avec nous. Qui Melo, Karas, Kevodo, bien sûr, parce qu'il remplit le monde. Donc, a fortiori, si l'homme est dans l'épreuve, a fortiori que Hachem va l'aider au maximum. Chouv, Loirama, Yase, Li Adam. Et donc, bien sûr, celui qui a compris ça, que à la foi véritable en Akadosh Baruch Hu, alors il dit, si Hachem est avec moi toujours, qu'est-ce que l'homme peut bien me faire? Qu'est-ce qu'il peut bien me faire? Il peut toujours essayer de faire ce qu'il veut faire, mais moi je suis avec Akadosh Baruch Hu, et donc toujours il ne m'a jamais quitté. Qu'est-ce que l'homme peut bien me faire? Ki me'achar sheyesh le'adam emuna chazaka, et donc si l'homme a une véritable foi forte, bevadai, yinatsiar kol ha'milchamot, bien sûr qu'il va. C'est la clé pour gagner toutes les guerres de ce monde, mais sauf kol sauf, Ashuv l'Hashem, et finalement il pourra revenir vers Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sait que, bien sûr, celui qui fait tshuva ou qui veut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, il a une route devant lui qui est semée d'embûches et d'épreuves, et il doit toujours renforcer sa emouna pour passer les épreuves une à une. Il bara be'emet be'chinat zot Ashiv el libi ve'alken orfil. Comme il est écrit dans les Lamentations, et voici la pensée qui s'éveille en moi, et c'est pour ça, et c'est pourquoi j'espère toujours grâce à la foi véritable. Shabbat shalom, on me verra à tous.